Vous écoutez le Move. C'est Anne. Une très très grande histoire d'amour. Youssoupha, alias Youssoupha, ma Vicky, bonsoir. Bonsoir. Je me représente, hein, moi c'est toujours Anne-Ma. Hein, dans le jargon des assureurs, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de malus, hein, de l'amour. Hein. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais, hein, que je me sens un peu comme un jeu de Mikado, hein, qu'on aurait offert à un parkinsonien. Évidemment, personne, hein, ne s'amuse jamais, hein, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire toujours. Et ravie, hein, de vous recroiser. Et d'autant plus ravie, hein, que même si physiquement, hein, du fait de ce petit ascendant tiers-monde, hein, que vous connaissez bien vos origines congolaises, hein, que le 6 cm d'épaisseur, hein, de vos lèvres, eh bien, hein, vous êtes, du coup, une sorte de mix, hein, entre cet acteur américain abonné, hein, au rôle de psychopathe, hein, qui est ce bon vieux et talentueux Forrest Whitaker, et la version adulte, hein, de Gary Coleman, hein, qui jouait le sympathique Arnold dans la série Arnold de Will. Quitté. Non. Gary Coleman nous a quitté. On passe son âme. Et bien, malgré ce coup bas, hein, que vous a fait votre père à vous, hein, et à vos 70 frères et sœurs, hein, en refusant systématiquement la contraception, et bien malgré ça, hein, c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on a la chance, hein, de recroiser un rappeur de talent, hein, qui en plus, hein, d'avoir fait les premières parties d'artistes américains prestigieux, hein, tels que les 50 Cent, les Snoop Dogg et autres Method Man, hein, a réussi l'exploit en, hein, l'espace de 3 albums, hein, seulement de gagner suffisamment d'argent, hein, pour s'offrir au minimum un beau de pièces, hein, sur Choisi le Roi, mais surtout d'être considéré dans le monde du rap, hein, comme une sorte de BHL à capuche, une passion et une aisance, hein, pour la langue de Molière, hein, avouons-le, assez rare, hein, chez les hommes, hein, nés sous un ascendant Kirikou, hein, que vous n'avez hélas jamais réussi à transmettre, hein, au Chéri Falouna et autres impokora, hein, à l'époque où vous étiez leur coach d'écriture, hein, dans l'émission Popstar, mais qui vous a cela dit permis, hein, à travers la chanson intitulée À force de le dire, hein, de remettre en place, hein, cette sorte de farfadé réac, hein, qui est ce bon vieux facho d'Éric Zemmour. Hein, et en parlant, hein, de racisme primaire, justement, hein, dans votre dernier album, hein, Noir Désir, rebaptisé Noir D, hein, pour éviter tout risque de dommage, hein, aussi bien financier que corporel, hein, avec ce sanguin de Bertrand Cantat, et bien vous abordez une fois de plus la question de l'intolérance, hein, avec un titre magnifique intitulé L'enfer, c'est les autres, hein, une chanson poignante, hein, sur l'amour impossible, hein, entre un jeune bamboula et les musulmans, hein, une histoire tragique, hein, que beaucoup, malgré mes origines franco-françaises, hein, j'ai là ce vécu plus d'une fois, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, il a été élevé en région PACA, un véritable berceau de la flamette tricolore, hein, par un père, hein, qui en sa qualité de CRS a hélas toujours eu un profond dégoût, hein, pour les cafés au lait et autres bananias, hein, comme on dit au Front National. Et bien de ce fait, je peux vous dire que malheureusement, hein, pour mes petits amis, son ami cadeau, j'ai eu la malchance, hein, de croiser sa baguette magique, hein, comme il aime à surnommer son chalumeau. Et bien croyez-moi, hein, que mon père a malheureusement réduit en cendres plus d'une idylle. Là, c'est dans le sens propre du terme, d'ailleurs. Et à propos de ce four de foncé pour pas un rond, justement, sachez que sur comme vous le chantiez, dans le titre Anti-Vénus, hein, vous avez toujours le sang qui boue et le cœur qui bat, comme on dit. Autant vous dire, hein, que tout l'hémophile de l'amour qui est en moi, hein, sera absolument ravi, hein, à l'idée de se laisser transfuser, hein, si vous voyez, sur ce petit confidence, hein, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh bien j'irai tenter ma chance en Angleterre, hein, où une véritable pénurie de bacon, hein, menace actuellement le petit déjeuner des Britanniques, hein, non reçu comme moi. La cochonne de la lune est en vous, on n'a qu'un souhait finalement, hein, celui de pouvoir enfin passer à la casserole, comme on dit. Eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.